c'est pas grave. Ah oui, il y a la poussette à prendre. Oui, on a des chaussettes, on a des chaussettes, oui. Trois ans. Hello les amis, du coup on est sortis avec les enfants. Ils vont profiter un peu le dernier week-end. Donc là, on se met les chaussettes. Et mon mari, il n'a pas pris de chaussettes, donc il est parti chez Action pour chercher ses chaussettes. Après, il va nous rejoindre en fait. Ouais. Donc, je vous ai mis comme ça parce que je parle de très peu. Donc là, c'est parti. Après, il va nous rejoindre. De toute façon, c'est pas loin. Donc ici, on est déjà venu. C'est là où mon fils aîné, il a fait son anniversaire. Donc je suis en train de ranger la carte de fidélité. Donc voilà. Let's go. On va s'amuser. Il n'y a pas beaucoup de monde, ça va. Donc, du coup, moi, je suis installée là. Les garçons sont partis. Oui. Ils sont partis jouer les garçons. Et mon mari, il est parti avec la petite. Donc il a trouvé les chaussettes. Attends, il faut bien arranger les chaussettes là. Tu vas pas les demander? Non, c'est pas rangé. Ah bah c'est bon, ça va bébé? Ça va, Chupinou? Je vais te mettre un collant parce que là, comme ça, tu pourras pas jouer. Hein? Ça, tu peux pas aller dans les balles. Je vais aller profiter avec elle dans les balles. Qu'est-ce que tu en penses? Et les garçons, ils sont là. Il faut qu'ils s'amusent. Attends, j'arrive. Ouais, c'est bon, je la garde. Est-ce que tu as marqué un but? Allez, c'est parti. Une passe. Ça joue. Ah. Et ça marque un but. Ah, t'as pas marqué? Ah, il a marqué. Vas-y. Anniversaire, hein. Mon fils aîné, il a déjà fait l'anniversaire là-bas. Et là, c'est une salle pour danser. Je pense que tout à l'heure, on ira danser. C'est marqué quoi? C'est marqué quoi? Pirate Patrick. On est bien ici, hein? Ça va, bébé? La cabane des garçons. Faut pas la détruire, hein? Mais laisse-la. Je l'ai changé. Attention. Est-ce qu'elle est solide? On va voir si c'est solide votre maison. Hein. Oh. Mais laisse-la. Laisse-la. Comment on te malmène? Voilà ce qu'ils ont construit. Franchement, magnifique. Alors lui, il va faire ça. Alors c'est parti. Allez, go. Ah, tu dois gagner. Voilà. Oh, il te dépasse. Attention.
Vite, 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 vite. Allez, go, 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 go. Voilà. Je continue. J'appuie, voilà. Sauter. Il est derrière moi. Et... Fais attention. Waouh. T'es toujours premier. Et tu vas gagner. Bonjour messieurs. Oui. Ça va? Oui. Vous allez où? Ah, tu vas conduire très vite? Oui. Alors, tu fais la course? C'est un vrai volant, hein? Comme une voiture, hein? Et ça, ça sert à quoi? Ah bah, à clignoter. Les clignotants. Et là, l'autre? T'as fait l'auto-école ou quoi? Donc ça, c'est pour essuyer classe. Parfait. Et là c'est pour clignoter. Ah voilà, les feux de route. Donc tu veux démarrer? Ok. On met la pièce. Et tu vas pouvoir démarrer. Vous êtes prêts? Le jeton. Voilà. Il a très très peur, il ne peut pas entrer. Mais la petite aime bien. Pourquoi tu klaxonnes? Il y a des obstacles? Oui. Faut klaxonner alors. Non, les tarifs sont là. Je peux pas attendre. Là, monsieur avec bébé. Coucou, le motard. C'est bon? Vas-y, avance, avance. T'arrives pas? Ouais. Les petits points là. Allez, attrape le plus gros. On a presque fini, donc je vous montre un peu ici en plus ce qui est bien.
Ce qui est bien ici, en fait, même les adultes ont le droit en fait, de faire. Moi, de monter avec les enfants, on fait des activités avec les enfants. Donc ça, c'est top. Donc là, moi, je me suis épuisée, je vais le danser, je fais le trampoline. Bientôt 19h, on va partir. Allez, c'est parti les enfants. C'est parti, viens. Allez, on y va. On y va. On retourne et se changer. Non mais mets avec les autres. Voilà, merci. Bon, c'est fini. Là, on rentre à la maison. C'est parti. Merci. De 14h à 19h. Nous, on est venus à 16h. Hein. À 16h, on est venus. Ils ont profité. Hein. Parce que là, ils étaient fatigués. Donc là, on va aller au restaurant. On vous amène avec nous. Moi je sais ce que je vais prendre, hein. Je sais sexy. Hein. Allez, je vais prendre. C'est ça, on va partir sur ça, menu enfant, ça et ça. Une demi-dose en fait. Parce que c'est combien de grammes? Où est-ce que tu... Ah oui, une demi-dose, ça fait ça. C'est vraiment beaucoup. Hein. Du coup, on va partager avec mon mari. Et les enfants, c'est ça. Les enfants, on prend une seule dose hein, aussi. Hein. Donc, en tout, ça nous fait 7 euros. Ouais, c'est un seul plat. Donc, les enfants, ils vont partager et nous aussi, on va partager. Ouais, c'est beaucoup. Hein. On va filmer, on va montrer. En fait, Chin Chin. Ça arrive pas. Oh, la chatte des enfants. On se retrouve vers le lendemain, on est dimanche. Je ne sais pas si je vous ai dit hier. Hier, c'était samedi. Donc, je n'ai pas continué la vidéo, tout simplement. On est rentré. J'étais fatiguée, on s'est occupé des enfants. Donc là, je viens de faire les courses. Et coucou! Je viens de faire les courses. J'ai été chez Auchan parce que j'avais besoin d'acheter les fruits pour demain, pour la rentrée. Parce que la rentrée, j'aime préparer une belle table de petit déjeuner avant que les enfants aillent à l'école. Donc là, je pense que je vais faire un retour de course. J'ai envie de faire un tour de course. Donc, ça sera à part. Voilà. Donc, vous verrez le retour de course. Et, ça crie, hein. À part. Donc, hello! Je suis en train de regarder Tisha. J'arrête un peu pour vous parler. Donc, je ne vous ai pas repris depuis. Hein. Ouais. Ça sent la rentrée. Hein. Donc là, il est 18h. 18h46. Du coup, là, je suis en train de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Et comme ça, je vais préparer et on va passer à table. On va passer à table parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Et voilà. On se prépare pour demain, tranquille. Je vais faire les choses que les enfants aiment bien. Donc voilà, tranquille, tranquille. Donc là, je vais finir ça. Je finis de dégager ici parce que c'est pas possible. C'est trop chargé. Et là, je mets mes fruits. Je vais les tremper, les fruits. Voilà, et comme ça, je les mets au frigo. Mais ça, les nectarines, je ne les mets pas au frigo. J'ai déjà essayé de les mettre au frigo. Après,
Ils avaient changé de couleur, c'était pas bon. Donc je vais les essuyer et les mettre dans une corbeille qui ferme. Voilà. Donc là, je vais m'avancer, dégager, reprendre le travail parce que j'ai pas la place. Hein. Je peux pas travailler comme ça. Donc je vais faire ça et après je pense que je vais clôturer aussi là. Je vais pas tarder à clôturer la vidéo parce que on a beaucoup de choses à faire. On n'a pas encore fait le sac de mon grand parce qu'on doit lui faire le sac pour demain. Mais ça, c'est, ça va vite, ça va vite. Voilà quoi. Donc du coup, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Je ne vous ai pas repris depuis. Donc voilà. Sinon, mon mari, franchement, il a beaucoup bossé. Il y a les garçons qui sont rentrés, ils étaient à la véranda. Sinon, mon mari, il a fait plein de choses. Il a passé la tondeuse, il a coupé. Il y avait les herbes à l'entrée. Il a coupé, franchement, il a bien taillé. C'est trop beau, c'est joli. Et après, il s'est occupé des garçons. Il fait les chevaux aux garçons. Voilà. Donc là, je m'avance. Et après, ils vont passer à table. Et on va commencer à faire le sac de mon grand. Parce que mon fils aîné, lui, commence l'école demain. Et mon deuxième, lui, commence jeudi. La petite section, ils vont faire la rentrée jeudi, donc c'est pas demain. Donc, voilà, mais comme on va l'accompagner, mon fils aîné, on va l'accompagner, tout le monde va l'accompagner. Donc, du coup, on va se mettre en mode des rentrées scolaires, quoi. Donc, voilà, du coup, les amis, je vais m'avancer un peu, et voilà quoi. Bon, les amis, j'ai fini de dégager. Donc, j'ai lavé les légumes, les fruits. Les fruits sont là. Et j'ai sorti, en fait, tout ce qui est au frigo. Finalement, j'ai pas mal de choses. Donc, c'est pas la peine que je cuisine. Je vais voir avec les garçons. Soit pour... Mais il y a du poulet. Il y a du poulet, donc normalement, c'est bon. Donc, voilà. Donc, du coup, là, je vais les appeler. On va chauffer. Et après, il est quelle heure? Il est 19h11. On va chauffer, on va manger tranquillement, franchement, sans se stresser. Et après, on va commencer à faire le sac de mon grand. Voilà. Du coup, là, je regardais Titia en boucle. J'ai fini une vidéo que je n'avais pas regardée. J'ai recommencé avec une autre. En fait, je fais ça, après, j'oublie de commenter. Après, il faut que je retourne en arrière pour mettre les commentaires, tout ça. Voilà. Donc, du coup, les amis, là, je vais appeler les garçons. On va manger. Ma fille est dehors. La petite est dehors. Donc, du coup, je vais faire ça. Et après, je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre. Mais normalement, c'est pour compléter la vidéo d'hier. Normalement, je veux. C'est quoi ce truc? C'est le frigo? J'ai l'impression que c'est le frigo. Je sais pas si c'est le frigo. Donc il fait ça. Voilà. Donc normalement, oui, je disais c'est pour compléter la vidéo. Voilà quoi. Bon, du coup, je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis, je vous retrouve tard. Hein. Donc je suis obligée de couper la vidéo parce que j'ai plein de choses à faire. Et demain, c'est une grande journée. Donc du coup les amis, je vais vous laisser par là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous aussi, c'est important. Je vous fais des gros bisous. Bye.